Salut la famille, c'est Landy en direct de chez Rap Elite pour Si tu devais, Skaska. Okay, t'es comme ça là, ouais, les gars, il n'y a plus rien. C'est un truc de ouf. Miskin, voilà, pardon monsieur si vous me voyez, pardon. Dans un bar, dans le 9-1. C'est plus dans le 9-1, dans le 7-7. Je rentre dans le truc, je vois, il y a trois personnes. Je rentre dans ma chambre. Je regarde que l'argent, je dors plus. Ouais. Je dis non, là, ça arrive. Si tu devais citer ton top 3 rappeur du 93. Caris, mon gars. Ouais. Je te vois pas, Caris, là, quand il est venu, moi, je me suis dit Caris. Moi, j'avais les t-shirts et tout. Ouais, et tout, avant. Tout ça. T'étais ouais, fan. Je te mens pas. Quand il est arrivé, mon frère, c'était quelque chose. Caris, Mac Taylor, ouais. Et je dirais. NTM. NTM. NTM, okay. Ça vient de Saint-Denis, tu vois. Ouais, ouais, obligé. Ouais. J'ai capté. Si tu devais faire un feat variété française. En nouveau, je sais pas. Ah, t'as fait, elle écoute pas un petit truc. Attends, comment il s'appelle l'autre là? Mais comment il s'appelle? J'ai oublié. Slimane? Non. L'autre là, même il dit. J'ai oublié son blaze. Christophe Maé, mon gars. Christophe Maé, ah ouais. Christophe Maé. Si tu devais nous donner ton mélange préféré. Je sais pas, j'aurais dit Sprite Grenadine. Sprite Grenadine? Ouais. Okay. Parce que ma fille, elle croit que c'est un cocktail de fou. Elle me dit, là j'ai fait un cocktail, je veux faire un cocktail. Je dis, vas-y. Je vois, elle prend du Sprite et de la Grenadine. Ouais. Je dis, c'est ton cocktail? Elle me dit, ouais. Je dis, ah ouais, super. Si tu devais nous dire ce qu'il te manque de ta vie d'avant. Tu vois, je vais pas dire quand on était en Hesse. Mais quand on était en Hesse, là. C'était bien quand même. Il y avait un truc qui était bien, tu vois. Personne se souciait de ce que l'autre il a dans les poches, ouais. Ce que l'autre il a acheté, comment il a acheté, comment il a habillé. Tu vois, c'était un bon délire. En fait, je vois ce que tu veux dire, c'est la simplicité. Ouais, c'était la simplicité. Genre, on mangeait, des fois on mangeait un grec à 5, ça nous arrivait. On se partageait une canette, tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est des moments qui manquent un peu, ouais. Si tu devais nous raconter une anecdote avec Gazo. Quand je l'ai rencontré, première fois. Ouais. On était posé dans un appart, ça okay. Rappait. Ah ouais? Ça rappait chaud, ça rappait freestyle, tac, tac. L'autre il faisait son freestyle, putain, je dis, ah ouais, putain, mon gars! Ah ouais? Et c'est là que j'ai vu que le poteau il avait un truc. Ah ouais, ça date de combien de temps ça? Ah, ça fait longtemps. Je crois que c'était un peu après en bâtiment. Ouais, quand même. C'était un peu après en bâtiment le son. Et je lui dis tout le temps ça, mais je lui ai dit, t'inquiète même pas, toi là. C'est sûr, là, dans pas longtemps, on va t'entendre. Mais il faisait pas encore de la drill, t'as capté? Moi, j'ai connu en mode rap et tout. Déjà, c'était déjà ça, t'as capté? Ouais, il envoyait. Et voilà, regarde aujourd'hui où il est, ça fait plaisir. Si tu devais laisser un message face caméra à Leto et RSKO. Les gars, restez vrais, vous êtes des bons. Restez comme vous êtes. Kiké, Leto aussi. Fais plus de son, tu vois. Si tu devais nous raconter une phase que les keufs ont pu te faire dans le passé. Voilà, un jour, la vie de ma mère, je devais aller à Châtelet, je crois, acheter de la sape. Ouais. Je vais rejoindre un pote à moi. C'est où je vais rejoindre? Je crois que c'était à Gare du Nord. Je vais à Gare du Nord, la vie de ma mère, les keufs, ils me pètent. Ouais. Ils me pètent, j'ai rien fait. Ils me pètent, garde à vue. Gratuit, comme garde ça. Garde à vue, direct, garde à vue, tout. J'ai dit, wesh, mais j'ai rien fait tout ça. Et en fait, il y avait un mec, c'était à l'époque, j'avais une teinture et tout. Ouais. Le mec, en fait, il y avait un mec, il avait racketté un mec avec un couteau. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont cru que c'était moi avec les caméras, tout ça. Ça veut dire qu'au final, après, ils m'ont relaissé. Donc, t'as pas fait de garde à vue? J'ai fait la garde à vue. J'ai dormi là-bas tout le lendemain. Du début jusqu'à la fin, t'as fait garde à vue 24 heures, comme ça, là, gratuit. Voilà. Et ils t'ont lâché sans suite. Ouais, sans suite, j'étais refait. Si tu devais te rappeler une phrase de ta mère qui t'a marqué à cause de tes conneries. Tu n'es même pas beau. Quoi? Elle me disait, tu n'es même pas beau. Ah ouais? j'ai capté. Jack Betty, c'était cette phrase. Hein. Tu n'es même pas beau. Des fois, elle me disait, tu pues. Ah ouais, crade. Ouais. Vas-y, tu me dégoûtes là, vas-y. En mode, vas-y. Si tu devais nous raconter ta rencontre avec SDM. On se connaît depuis SDM. Ouais, parce que c'est ce que j'ai remarqué, parce que je vous ai vu souvent ensemble. Mon père, il habitait à Clamart. Ok. Où il habite SDM. Ok. Je me rappelle que moi, je sortais beaucoup là-bas, tu vois. Mais après, moi, j'ai pas trop de souvenirs. Tu vois, comme ça se trouve, il était pas grand comme lui. Ouais, t'es pas aussi balèze. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas trop de souvenirs. C'est lui, il me disait, t'es un ancien, on traînait ensemble, tu faisais ça, tu m'apprenais à faire ça, tu m'apprenais à voler, tout ça. Je dis quoi?
Et ouais, et regarde, aujourd'hui, ça nous a ramené, on a fait un feat ensemble, après on était en Martinique ensemble. Ouais. Dire le lien, c'est plus. C'est un beau frérot, tu vois. Si tu devais nous donner une habitude qui sort de l'ordinaire. Moi, je fais des gâteaux des fois à 3h du matin. Je me lève. Ouais. Vas-y, je fais un gâteau, je vais sur Google, j'écris gâteau. Ouais. Genre, n'importe lequel. N'importe lequel. Gâteau citron, gâteau chocolat. Ouais, ouais, non, pas le chocolat, j'aime pas trop. Ah ouais? Ah, bizarre. J'aime, moi et ma fille, on n'aime pas le chocolat. Ah ouais? Tu vois? C'est quoi le parfum en préféré fait, de Landy? C'est pas j'aime pas le chocolat, genre, je mange des Kinder et ouais. tout. Mais genre, brownie, tout ça, là. Ouais. Ah non, c'est pas bon. C'est écœurant. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais non, c'est ouais. pas bon. Je préfère chocolat blanc. Chocolat blanc? Ouais. Je fais des gâteaux, tout ça, normal. Si tu devais nous déclarer une connerie de jeunesse. Nous on faisait quoi à l'ancienne? On sortait, on appelait ça mission. Genre dès qu'on sortait là c'était pour foutre la merde. Genre tous les jours on voulait se faire courser par quelqu'un. Tous les jours. Soit on sonnait chez quelqu'un, soit je me rappelle on partait chez un mec, il avait une laverie là. Un Renoir. Miskin, voilà, pardon monsieur si vous me voyez, pardon. Tout le temps on tapait dans sa laverie, il nous coursait tout ça. Et un jour il nous a coursé au moins 10 minutes. Et tu vois, nous on était petits. C'est-à-dire, le mec il course 10 minutes par derrière là, genre c'est chaud quand même. Voilà, un jour il m'a dit, je vais vous courser jusqu'au Mali. Quoi, mon gars, quand moi j'avais peur, ce genre-là, t'es fou, ça s'est mis en dessous des voitures et tout à la fin. C'est chaud. Si tu devais te remémorer une soirée inoubliable. Un jour, je suis au foyer. Ouais. C'est un peu long, mais ouais, bon. C'est pas grave, t'inquiète. Je suis au foyer, les mecs de mon foyer, ils ont fait un cambriolage. Ouais. Tu vois, ils ont fait un cambriolage. Moi, je dormais. Je dormais dans ma chambre, tu sais, ils sont venus me voir, ils l'ont dit, ouais. Vas-y, on a des cartes là, je sais pas, je fais quoi avec tout ça. Ouais. Moi, je vois les cartes, je vois, il y a un porte-monnaie, il y a plein de cartes bancaires. Ouais. Je prends un porte-monnaie, je vois, il y a un petit papier comme ça, ouais. Et il y a tous les codes. Genre, il y a vraiment tous les codes des cartes. Ouais. Je dis, non, là, je rêve là. On fait quoi? On va à la banque. Tout le monde, chacun de son. Il y avait plusieurs banques. Moi, je retire l'argent, je retire. Je crois que j'avais pris au moins 7-8 000 euros. Je rentre dans ma chambre. Je regarde que l'argent, je dors plus. Ouais. Je dis non, là, ça arrive. Genre, je suis en train de dormir, on m'appelle pour ça. Et au final, j'ai pris de l'argent à dormir. Ouais. C'est-à-dire, je suis là, je dors. Je dors plus, je regarde que l'argent. Je dis, ah, là, je suis refait, là, putain. Là, je suis refait de fou, là. Fou. Je vais faire quoi avec ça, là? Fouah. T'es fou. Et il y avait des mecs qui toquaient, donne un paix, vas-y, je donne rien du tout, c'est mort. Ouais. Chacun pour. Et vas-y. Après, c'est pas un truc inoubliable, mais. Ouais, c'était marquant. T'avais quel âge? Je dois avoir 15 ans, 15-16. Ah ouais. Ouais. 15-16, 7-8 balles, c'est pas non, mal. Non, le pire, c'est pas que c'est. C'est que j'avais rien fait, moi. Ouais. Genre, c'est eux qui sont venus me voir, ils m'ont dit ça. Ouais. J'avais rien fait, mon gars. Je prends 7-8 balles. Et belle, hein. Je dors plus. Bah oui. Je te jure, je dors plus. Et finalement, t'as fait quoi avec? Quoi? Le lendemain. Ouais. Déjà, eux, comme ils avaient fait un cambriolage, le lendemain. Comme on était au foyer, ils savaient que c'était les gens du foyer. Ouais. Le lendemain, j'ouvre ma fenêtre, je vois, il y a les victimes, ils arrivent. Veski, je me suis barré direct chez mon daron. Moi j'ai fui chez mon daron. Eux, ils ont fait quoi? Ils avaient acheté des habits et tout. Ouais. Ils ont acheté des habits, nanani. Ouais. Moi, je connais ça. Tu vois, acheter des habits, ils vont savoir ouais, c'est vrai. C'est vrai, toi. Et au final, après, on est tous partis en garde à vue, même moi. Ouais. Mais moi, j'avais rien fait, donc je suis sorti. Si tu devais te remémorer un moment drôle et gênant. Un jour, Zach, il m'a ramené dans un showcase dans un bar. Je vais jamais oublier. Je vais jamais oublier. Dans un bar tabac. Dans un bar, dans le 9-1. J'ai plus que dans le 9-1, dans le 7-7. Je rentre dans le truc, je vois, il y a trois personnes. Trois personnes. Et j'ai chanté. T'as chanté quand même? Ouais, j'ai chanté. C'était au début, tu vois. Ouais. J'avais qu'un son qui marchait. Ouais. C'est ça qui m'a ramené là-bas. Au moins, j'ai chanté. Au moins, t'as souffert. On a souffert. On a souffert, ouais. On a souffert ça, je vais jamais oublier ça. Là, c'est incroyable ça. Ça m'a fait mal, hein, je te mens pas. Si tu devais nous confier une phobie. Mourir noyé. Ah ouais. Hein? Toi, tu sais pas nager. Si, je sais nager, mais c'est nager. Imagine, genre, on va dire, là, on est dans le bâtiment. Ça se voit que t'es. Genre, ça, genre, l'eau, elle monte de plus en plus, il reste ça. Ah, je vois, ok, t'es d'accord. Comme ça, là, wow, genre, il y a plus rien. C'est un truc de ouf. Genre, y'a plus rien, genre. Ouais, j'ai capté. Comme dans les films, là. Ouais, c'est pour moi, c'est pire. Ouais, même, je vois ça dans les films, là, t'es pas bien. À sa place. Ouais, t'es pas bien. C'est un truc. Ouais, j'avoue. Pour moi, ouais, franchement, ça, c'est une phobie pour moi. Ok. Mourir noyé. Ah, je pense que c'est pire que mourir brûlé, je pense. Après, les ça deux... Ça se tape, hein. Ça, je pense que ça se tape. Ça se tape, mais noyé aussi, c'est quelque chose. Genre, t'as plus de souffle. Ouais. Non, c'est chaud. Si tu devais nous raconter ton pire cauchemar. Mon pire cauchemar,
Ouais. Je veux dire la vérité. Ouais, la vérité, s'il te plaît. La vérité, je suis pas de pire cauchemar, c'est moi, je fais le pire cauchemar aux gens, tu vois. Je peux être gentil et méchant aussi à la fois. Donc, restez tranquille. 9-3-2 Saint-Denis. Non, moi, je reste un artiste. Voilà, après, ouais, c'est vrai que je fais pas, j'ai pas de cauchemar. Genre, okay. j'ai peur de Dieu, oui, mais rien d'autre. Après, ouais, je peux te faire vivre un cauchemar, mon gars, si tu restes pas tranquille. Si tu pèses pas tes mots. Après, voilà, c'est la vie. On reste des humains, tu vois. Ah oui. 9-3-200, 5-8. Non. Non, c'est pas le 9-3-200, c'est Landy tout court, Landy le gentil. Ah, je rigole. Si tu touches à mon pain, je peux devenir très méchant. Et je peux te faire vivre un cauchemar. C'est tout. C'est ça la devise. Mais sinon, on reste droit, on respecte tout le monde. Salut la famille, c'est Landy. Et on était sur Rap Elite. Big up à vous, l'album est disponible. Skaska.